17 jours, depuis qu'ils nous font mettre couvre-feu sanitaire, et depuis dimanche dernier, nous fin à un nouveau tournant. Fin commence un patient Covid-19 qui fin guéri et qui fin retourne dans toute la case avec toute famille. Au total, et non, à zodi, 19 y Et a 10 qu'ils zodi pour quitter sans traitement. Mais, bande docteurs, bien sûr, continuent à suivre tous les jours. Nous tenons à rassurer la population, qui nous, personnel service la santé, peut travailler bien, dire, et nous, bande docteurs, peut suivre tout développement au niveau médical qui peut arriver dans un grand centre international. D'ailleurs, les bons qui m'informent la population, qui nous fait une commencer un nouveau traitement pour un patient en réanimation. Quand nous finissons le sérum plasma, un immun qui finit guéri. Nous finissons injecter ce sérum-là à un patient qui est dans l'état critique, une technique qui appelle plasma L'I encourageant, pour nous connaître qui nous prend une décision nécessaire, malgré qu'il, malheureusement, à ces jours, il y a 273 contaminations et 7 décès. Ban de médecins qui les tout Mauriciens qui sont rapatriés, quand nous fermons nos frontières, nous sommes en quarantaine pour assurer qu'ils ne sont pas si contaminés avant qu'ils les autres retournent à côté d'Ivoire. Beaucoup parmi ces gens-là, Azoudi Zodi, mais aussi trouver votre famille. De l'autre côté, le gouvernement peut travailler sur un plan pour réouvrir le pays qui peut faire en phase et code des normes sanitaires bien strictes qui peuvent appliquer. Nous sommes capables de dire que ça peut discuter dans le prochain Conseil des ministres. Mais, Question immédiate, c'est esquis -ce pour prolonger le couvre-feu sanitaire. Ça aussi pour discuter dans le Conseil des ministres vendredi. mais finit aussi à qu'il y a beaucoup d'abus de faire par certains commerçants. L'oban prix dans différents produits. Le ministère de Commerce, il fait descendre descente dans 413 commerces. Et Fin prend 536 contraventions. Et ça, l'exercice-là, pour continuer. Nous ne pouvons pas pour hésiter pour aller jusqu'à suspendre la Trade de trade, un commerçant qui peut profiter de la situation pour faire casse l'eau et l'eau du monde. Il n'a pas acceptable du tout. Le gouvernement prend l'initiative pour qu'il ait planter capable d'opérer dans une période pour sanitaire des sanitaire. sanitaires. qui est bon, plan de soutien qui est présenté par le ministre des Finances, pour les gens qui travaillent pour eux-mêmes est également applicable à Ban Plantaire. Moi, je tout connais euh, sa crise sanitaire, son impact sur l'économie, pour énorme. Et euh, nous travaillons conjointement avec toutes les institutions, institutions publiques, institutions privées de différents stakeholders pour venir avec différentes mesures pour soutenir l'économie en général. Et euh, nous avons déjà annoncé un plan de soutien avec différents types de mesures et déjà un total d'environ 30 milliards d'euros qui l'ont la table. Pour venir précisément avec euh, un plan de relance après confinement, nous travaillons actuellement euh, l'eau euh, un rapport, une publication, un rapport, là, déjà l'impact économique, nous avons une profondeur à la crise, là, qui sur l'impact l'eau l'économie. Et euh, par rapport à ce rapport-là, par rapport à cette publication-là, nous pouvons venir avec des mesures spécifiques par rapport à certains secteurs, mais en temps et lieu, nous pouvons venir avec. En général, quand nous sommes dans une ben, période de crise, et y a une fluctuation énorme dans ben, le marché financier. Et euh, à Maurice, nous paraît comme partout ailleurs, finit dans un mouvement haussier et baissière. Depuis réouverture, finit dans une baisse d'environ 7% lundi, mais sa baisse-là, euh, euh, mardi et mercredi. Mardi, hausse, a une hausse lors du de plus de 4%, et aujourd'hui, elle a plus de 10% de hausse. Euh, depuis lundi, donc, il y a une hausse cumulée de 7 Vous savez, le marché boursier, c'est rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour qu'ils aient une bonne action, ils ont trouvé un acheteur, donc ils passent bien. Et nous pouvons dire qu'actuellement, il y a une sérénité au marché boursier. Alors, vous me rappelez qu'il la bande 10 ans. En ce moment, il y a déjà un stock pour qu'il soit capable de n'importe qui d'immune qui vient à l'hôpital et différentes maladies que nous avons besoin de transfuser. Là, en ce moment, une patiente COVID, comme le Premier ministre a annoncé, peut faire une, quelque chose qu'on appelle placement sphérèse. Ça, nous peut donner une patiente COVID. Mais si en cas de patiente COVID, bien sûr, donnez-nous la banque disant nous avons disant pour donner d'autres. rappelle que l'activité de blood donation est continue. Mais les à un que des gens qui viennent pour donner des ans sont capables de venir spécifiquement à certaines heures de donner des comme ça, nous ne pas faire des monde et nous ne faire des gens rester ensemble pour temps. Je vous rappelle un rappel là. Si le public est capable de toujours continuer à donner des ans il n'a pas de spécifique, je capable de toujours contacter Blood Bank. Quand ce temps envie il capable de donner 10 ans. C'est vrai que nous, le gouvernement est... Le premier ministre lui-même très conscient de sa pénurie qui, moi, je une pénurie artificielle qui est sur le marché. Le marketing board peut travailler tous les jours. Le marketing board peut livrer à tous les euh, registres de dealers, peut livrer à tous les supermarchés qui peuvent avoir ses propres camions pour gagner une livraison directement à banne supermarché à travers l'île. Et nous constatons malheureusement qu'il y a des qui peut dérouler, une pénurie artificielle, et n'a pas gonfler prix. Il n'y aucune pénurie, le stock. D'ailleurs, il y a quelques jours, je suis trouvé même à la télé, que nous organisons une rentrée, le, le pot, pour le bateau qui est une, une, à pour lui. Nous avons encore un autre bateau qui peut arriver à la fin de la semaine. Le stock, il pas de problème. La livraison aussi, il pas de problème. C'est un holding artificiel qui peut faire. Comme l'honorable Premier ministre a annoncé là, nous pouvons visiter tous les lieux, les trades, les premisseurs, les holdings, les prix exorbitants qui peut pratiquer et nous pouvons prendre contravention. Comme le Premier ministre a dit Taliela, le gouvernement, sans pitié, là, et si pour besoin suspendre trade licence, nous pouvons suspendre cette licence. Et nous avons sans scrupules qui profitent de cette situation. Et qui peut, qui peut faire man, euh, et qui peut profiter de la, la détresse des bandits qui et pratiquement pratique un prix inacceptable. Le problème, ce n'est pas l'eau, la livraison, ce n'est pas le stock, le problème, c'est certains commerçants hein, qui peuvent faire mal Et ça, nous poussons sans pitié contre Dieu. <music>